Salut à tous, c'est Zoul25, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors du coup on se retrouve pour l'épisode 8 des routiers de l'extrême. Alors je suis en compagnie de Popeye et de Didier. Salut. Salut. Alors du coup on va aller faire le contrat centre de minerai. Donc c'est ici. Donc là. Donc je vais vous montrer ce qu'on doit livrer. Alors là on doit livrer 4 métal, 6 planches de bois, bloc de béton 4, ça je les ai. Consommable. Une cabane dans la zone 1 et deux cabanes dans la zone. Ouais, bah, on va livrer ça de toute façon après. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller livrer ça, les blocs de béton, je vais les livrer et après, je vais faire les cabanes. Je vais m'occuper des cabanes. Donc là j'ai fait un live juste avant de 5h. On a préparé toutes les cabanes, on a préparé 45 cabanes, il me semble. Ouais, 45 cabanes, on a ramené 46 conteneurs de fret et 90 planches de bois environ. Donc ça en fait des allers-retours. Mais au moins le stock est fait. Au moins le stock est fait, tu vois. Au moins on est prêt niveau cabane, parce que après vas-y si tu veux faire les allers-retours, voilà. Ça c'est déjà fait. Donc on va livrer ça avec ce camion. Contre métallique, il y en a une là-haut. Bah t'en as juste à côté du garage là, dans l'entrepôt, dans la forêt. T'en as deux. T'en prends deux et puis... Dans enfin, la forêt où c'est? Juste à côté là. L'entrepôt juste à côté là. Bon, regarde. Quand tu mets la carte là, tu vois entrepôt, tu perds 3, ça me dit ce qu'il y a dedans. Et c'est, il y a des planches de métal en infini. À l'entrepôt où DJ il est là? Non. L'autre. Mais envoie-lui, regarde sur la carte et envoie-le. Non, mais c'est bon, je vais chercher, je vais trouver, t'inquiète pas, DJ. T'en fais faux. Pardon. C'est le métal. Ah, c'est le truc c'est juste à côté du garage là. Bah oui. Ça c'est à l'infini là-bas. Ouais, t'as un entrepôt et t'as les planches de métal, ils sont à l'infini. Okay. Bon, moi je vais déjà livrer les blocs, hein, les gars. Et je vais m'occuper des cabanes. Du coup, les cabanes, une fois que t'as fait la mission, tu les vires, c'est ça? Tu les remets par terre, Didier? Ouais. Pour pas que ça bug. Ok. Donc en vrai, faut laisser un camion là-bas, quoi, avec une grue. Ouais. Planche de bois. Ici, quand même. Il y en a deux là. Ça va faire 4. Bon, c'est pas Putain, j'ai bien fait me casser la gueule là. Allez mon coco. Voilà, nickel. Passer en première. Hop. On va pas faire les contrats de convoyeur maintenant parce que ça va nous bloquer sur les passages. Du coup, on va pas les faire maintenant. On va les faire après, dans les derniers.
On va essayer de faire un contrat par épisode. Alors. Donc là, on doit amener poutre en métal, planche, bloc de béton consommable, et après il y a une deuxième liste encore. Donc je vous raconte pas. Donc les cabanes, je vais déjà les préparer d'avance. Je vais ramener le camion là-bas. Soit j'y vais en bandit ou en V1D, je sais pas. Non, je vais y aller en V1D ou peut-être en Azov. Je vais voir. Là, je vais peut-être prendre l'Azov en vrai. Ou le Taiga, ouais, peut-être le Taiga, je vais voir. Je vais peut-être prendre le bandit parce que sa grue elle est longue et puissante, elle est bien. Je vais voir. Ah, du coup les gars, les blocs de béton, c'est livré. Je suis en train de rentrer dans l'entrepôt. Moi j'ai la ferraille. C'est le métal. Ok. Bon, j'ai 5 consommables. Tu vois, j'ai livré les 4 là, mais ça m'a dit les 4, tu vois, ça m'a pas mis 2 par 2, tu vois. Ouais, mais moi je vais le faire avec le métal, on va voir si ça fonctionne. Alors, hop, on va aller s'occuper des cabanes. Donc, on va aller prendre le bandit. Si j'arrive en même temps que Didier avec les consommables, et bah, s'il en a 5, et bah, on va essayer de faire ça là. Vous faites comment là, votre truc là? Bah, t'as plus plusieurs fois sur quoi? Là, tu sais, regarde, là j'en ai deux de fer, de ouais. Métal. Je vais en enlever un et je vais en passer un par un. Donc, okay. Un va m'en faire deux, normalement. Comme tout à l'heure, en fait. Ah ouais, comme tout à l'heure, ouais. Avec les petits tuyaux là, j'en ai passé un, j'en ai deux. Ouais. Donc, je vais faire la même chose là. Et après, quand c'est ma partie, ça marche pas. Alors, du coup, il faut livrer. Deux cabanes dans la zone 1. Voilà, deux cabanes zone 1. Donc la zone 1, deux cabanes une fois et deux cabanes deux fois. Donc ok. On va prendre deux cabanes, hein, écoutez. Sont là les cabanes. Attends, je passe. T'inquiète, de toute façon, je vais passer par la droite. Là, je vais faire mon demi-tour. Je vais prendre ce qu'il y a sur le P16. Et tu fais ramener ton camion pour appeler l'autre mort. Ouais, je vais faire ça. Ouh. Ah, t'as pris la remorque bleue tout à l'heure. Non, ouais. Il a la remorque lourde, large. Ah merde. Pourquoi? Parce que tu m'as dit que t'avais 5 consommables. Ouais, j'en ai 5, pourquoi? Bah en fait, je voulais que tu m'attendes ou... Et où tu... Ah merde, moi je suis loin. T'es arrivé au... T'as encore ça, t'es bien. Bah je suis pas encore arrivé en fait. Ah ouais, mais t'inquiète pas, je vais t'attendre, mais... C'est pas le problème, ça. Bon, au pire, ouais, ah non. T'as une idée sur ton camion, toi?
Comment? T'as une grue sur ton camion? Oui. Ok. J'aime bien la grue du bandit, putain, elle est grave puissante. Je kiffe. Ouais, tu vois, elle serait sur le... On pourrait la choisir sur plusieurs camions, je pense que c'est celle-là que je prendrais. Oh bah oui. Oh bah c'est la meilleure de toutes, celle-là. En plus, elle prend pas trop de place, en plus. En plus, le bras, il est long. Rien à redire sur cette grue. Donc voilà, j'ai les deux cabanes, je vais aller m'occuper des cabanes, moi. J'espère qu'il n'y aura pas le bug, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose, quitter, revenir, t'es pour que vous voyez la même chose que moi. C'est comme dans ta partie, Didier. Ah ouais, mais là, c'est pas la peine de quitter, hein, parce que en fait, si ça bug, tu sais, si ça clignote sur la droite, les cabanes. Non, mais pas ça, tu te rappelles quand j'avais construit le truc, toi tu le voyais pas. Enfin, si toi tu le voyais, mais nous on le voyait pas. Ah ouais, bah de toute façon, de nuit là, si c'est construit de nuit, ça va être chaud, hein, parce que. On va pas voir grand chose. Voilà, allez, c'est parti, on trace la route. Putain, on dirait des maisons là. Des maisons qui sont à la suite là. Oh merde, y'a le trou là, j'avais pas fait gaffe. Tout le temps, le trou là devant le garage, tout le temps je me le prends. Je fais pas gaffe. Tu peux pas regarder au garage, il reste bien. Ouais, il en reste un petit peu. Il doit en rester 4-5. Ouais, c'est bien, c'est 6. Oh, 4-5, il me semble. Ah, je me rappelle la fleur là. Merde, je me suis gouré de route, j'ai tourné trop tôt. Oh le con. Oh merde, c'était là que je devais tourner. Oh le con. On va faire marche arrière, hein, écoute. Hein. Putain, merde. Tourner trop tôt. J'aime pas là comme ça quand le dolly suit pas là, ça m'énerve ça. J'ai horreur de faire mal. Ah ouais, gros, regarde comment je suis pour reculer s'il te plaît. Et que la remorque se pète la gueule, c'est pas grave, je recharge. C'est pas la grue qui manque. Voilà. Allez, le camion là. Putain. Allez, c'est parti. Allez, les abonnés, je vous mets un petit avancé le temps que j'en arrive. Le temps que j'arrive là-bas. Allez, c'est parti. Tout le monde, alors du coup, tout à l'heure je me suis trompé de route. Non, les gars, je suis en mauvaise posture. Ah, mais je comprends pourquoi je suis en mauvaise posture.
On va reculer alors. Ah, j'avais pas vu ça. Je me suis dit, c'est quoi? C'est le courant qui m'emporte? Je comprends mieux pourquoi je suis en mauvaise posture. Ah non, mais je me suis bloqué, je crois. Oh non! Putain! C'est une blague! En tout cas, il est beau le croisement de pont. Oh putain, je suis bloqué. Moi, il y a de la boue devant moi là. Re tout le monde! Alors, du coup, on est arrivé ici. Donc là, on doit poser les cabanes. Je vais poser les cabanes. Parce que je me suis bloqué dans la rivière. Merde. Donc on va foutre un petit peu d'essence dans le camion. Parce que on n'a plus beaucoup d'essence là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire déballer. Alors je sais comment je vais m'y prendre. Bon là, je vais déballer. Voilà. Je vais détacher la remorque. J'aurai plus de facilité sans la remorque à manœuvrer. Donc là voilà, boum, on prend la grue. On va prendre la cabane, on va la mettre dedans. Attends, je vais poser la cabane et je vais rapprocher ma grue. Voilà. Pas mal la technique. T'as la jamine? Je suis en train de la mettre, de bien la mettre. C'est bon? Ah putain, elle est à moitié hors zone. Ça clignote. Je l'ai mal foutu, putain. Il est trop léger le bandit. Hein. Là comme il gigotait s'il te plaît. Ça fait 1, 2, 1, 2, 1. Ah mais c'est normal, c'est le bug. Parce que tu mets bien les deux cabanes dedans dans... Non non, mais c'est juste que je l'ai mal foutu à la... au bout là, c'est mal mise. C'est ça le bug. Après tu peux plus si tu mets une mission, après tu peux plus faire. T'inquiète, je vais bien la mettre. Voilà, ton camion, je vais virer comme ça. Vraiment... T'es arrivé là-bas, Popeye? Pas encore. Ok, bon, bah du coup, je peux pas te rejoindre parce que j'ai fait son truc. Ah, ça clignote toujours alors qu'elle est bien mise. Mais la deuxième. Attends, je vais peut-être la repousser encore un petit peu. Comme ça là. Parce qu'il faut qu'elle soit bien dans le rond. Hein. Voilà, excuse-moi, mais elle est bien là. Attends, faut pas abuser là. Bah, je sais pas, nous ça le marque pas de toute façon. Toi, nous c'est toujours 0 sur 2. Toi, si ça clignote, c'est qu'il y en a déjà une. Putain, ça m'énerve d'être bloqué comme un gros connard là. T'es bloqué là? Ouais, une fois qu'il veut plus avancer. Tu veux que je revienne? Non. C'est bon. Non, c'est bon, j'ai réussi. On a vraiment qui patch ces putains de bugs là. Bah attends, ça va peut-être pas donner quelque chose là parce qu'il y a une autre liste qui suit sur celle-là. Ouais, il y a une deuxième liste après. Ah bah on sera pas payé là. Ah d'accord. Un. Deux. Trois. Il y a les deux dedans. Ça clignote. Ça clignote, mais il y a les deux dedans. Faut qu'il libre le bois pour que ça compte. Bon ok, j'arrive. Pour ça que les cabanes faut les faire en dernier, puis après... Ce que tu fais quand c'est compté, tu les ressors les cabanes. Ouais, ouais.
Moi je te vois là-bas passer. Allez, quand même, j'y ressors. Je vais les refoutre sur la remorque. La remorque, je vais la laisser là. On met les bien à part parce qu'il faut pas remettre les mêmes. On va essayer, tu sais, pour voilà. Pas que ça embête le bug. Mais c'est pas gagné. Ah si, après on remet les mêmes. Bon bah, tu fais comme tu veux, hein. Mais nous ça a bugué quand on... C'est pour voir si pour toi ça buggera pas, parce que comme nous c'est bugué. Bon bah les abonnés, on se retrouve quand il aura livré le bois. Quand il arrivera là-bas. A tout de suite. C'est bon. Ah bah voilà, ça se construit. Bah nous on le voit pas, tu vois. Ah, moi je le vois, la cinématique. Stylé, stylé, stylé. Toi t'es en bas, je te vois, tu manœuvres. Donc voilà, c'est fait. Bah, les cabanes ici sont déjà là, du coup. Du coup, je les laisse. Parce que moi, je vois clignoter, moi. Ouais, mais ça clignote, ça, à ta droite, là. Ouais, ça clignote, ouais. Oui, bah enlève-les, parce que sinon, tu pourras plus rien faire. Essaye d'aller sur la liste de tes véhicules ou de tes missions, des contrats. Si non, tu mais descends, je... ça remonte automatiquement, tu me dis d'enlever les cabanes. Et comment veux-tu que j'enlève la cabane là du coup? Ah, bah, comme ça rue. Peut-être. Mais la cabane elle bloque. Voilà. Non, mais je crois savoir comment faire. Ah, mais mon camion il est à moitié de travers, ok, je comprends pourquoi ça marche mort. Par contre, ils auraient pu faire le toit un peu plus haut quand même. Hein. Le toit de là où tu dois livrer, tu sais, t'as le toit là. Ça bloque. Ouais, ouais, bah, t'attends, t'as quelqu'un, on a tous eu le même problème. Hein. Ah, voilà. J'ai plus qu'à avancer là. Voilà. Comme ça. Les cabanes, en attendant, je les fous sur le porte-char. Donc, nous, par contre, tu vois, ça nous met pas la deuxième mission. Ah bon? Non. Ça c'est le bug. Vous êtes obligé de quitter et revenir du coup. Voilà. Ouais. Putain. Récupère, on va quitter, tu vas nous réinviter. Bah t'as déjà l'invite. Je crois que j'ai tout supprimé. Ah bon. Parce que j'ai une liste énorme sur la gauche, là, il y a plein de gens qui me. Donc je supprime à fur et à mesure, parce que sinon c'est interminable. Tu vas sortir comme ça, moi. Ouf. Ce que je viens de faire, tu regarderas la vidéo. J'ai eu un petit coup de bol, hein. Ah. Le bandit, il est bien beau, mais bien, il est trop léger. Trop léger à mon goût. Ah, faut savoir le conduire, celui-là, parce que t'es vite sur le côté, hein. C'est ça, ouais. Attends, je vais essayer de bah faire après, comme ça. Après, quand tu mets les roues neige, elles sont trop petites. Tu vois, ils vont bien les roues, les grosses roues. Sûrement. Oui, oui, non, mais oui, bah, c'est comme le Hank. Dès que tu mets les roues neige, ah oh là là, il fait moche. J'ai le cul qui lève là du bandit. Ah bah, je me suis cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule. Laisse-le en vidéo celui-là. T'inquiète, t'inquiète. Et en plus, t'as un autre camion pour te redresser de toute façon. Ouais, ouais, de toute façon, j'ai mon Western Star. Je traversais la rivière. Ouais, mais les cabanes sont pas évidentes à sortir aussi. Hein. Ouais, le toit il est trop bas. Ah, on a la deuxième partie là. Rouleau, métal 6. Dalle de béton 2, carburant 8. Rouleau, t'en prends 3 et puis voilà. Dans la zone de cabane, j'en vois. Deux. Non, j'en vois une sur deux, toi aussi. Ah, moi j'en vois une, mais elle est restée. Genre, elle est bien fixe. Genre, ça clignote pas, là. Il y en a une qui est dedans, mais ça clignote pas. Du coup, je peux la laisser, bah, celle-là. Si toi, ça te gêne pas pour ton... Bah non, parce que c'est marqué une, elle bouge pas.
Donc ça gêne pas au niveau de... Attends, pourtant elle est toute de travers. Elle est penchée, la moitié dedans. Elle est de travers, mais vraiment de ouf. Ah, c'est chiant, moi j'en regarde, monte dans mon bandit, tu verras comme elle est de travers, tu vas comprendre. Tu t'en fous, elle est dans la zone jaune. Bah, il y a la moitié qui est dans la zone jaune. Bon, tant mieux. Pas plein. Bon, allez, le bandit, boum, je le remets droit. Ouais, je vais chercher les rouleaux de métal. Attends, moi je vais là-bas, je vais prendre ce que je peux. Alors attends, parce que les rouleaux de métal, il en faut 6. Peut-être qu'il y en a un là-bas. Merde, j'aurais pas dû récupérer. Putain. Parce que je prends une grosse remorque parce que si, ça y est. Pourquoi? Parce que avec tout ce qu'il y a à mettre, carburant, je peux en prendre. Carburant, c'est où? Un rouleau de métal, je vais en prendre 3. Carburant, okay, c'est à l'entrepôt, il me semble. Carburant, je vais prendre le maximum, je vais en prendre 8. Ok. Briques, bah je vais venir avec toi, je vais aller chercher 8 briques moi avec la grosse remorque, on va y aller ensemble. On va y aller ensemble gros. Je peux te prendre des concombres? Alors on va prendre, je vais prendre le colob. Je vais prendre la remorque qui est devant le garage, du coup. Ouais, parce que je te l'ai mis sur le côté, là, bien rangé. Ouais, c'est la mienne, c'est pour ça qu'après, ce que je fais, moi je la fous à l'eau. Tu vois celle de l'avion là, je suis plus à l'eau, c'est pas en marbre. J'ai vu. Essaye de prendre sur la route, là t'as des briques, là ça va les enlever en même temps du. Tu sais, tous les points. Où ça? Ouais. Ben où tu vas passer là, tu vois, il y a une maison en briques là. Ouais. Là, tu peux en prendre 2 déjà. Ouais, mais je vais aller là où t'es parce que c'est non, à l'infini. Comme... Oui, mais comme ça t'enlève des points. Oh ouais, mais. Ouais. Après, tu mets un jaune sur ta carte, c'est chiant. Non, moi ça me dérange pas. Ouais. Bon, bah les abonnés, je vous mets un petit avancé le temps. Allez, à tout de suite. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
Alors du coup, on va finir le contrat. Du coup, il manque plus qu'à mettre la cabane. Attends, je vais mettre les cales. Putain, mais je suis à moitié en train de me renverser à chaque fois. Comment ça se fait? Attends. Initialiser grue. Attends, je vais mettre mieux que ça. Parce que c'est pas le moment de se casser la gueule. Donc là, bim, on se met bien collé comme ça. Voilà, comme ça, on va la mettre comme ça. On va pas bouger, on va juste faire une marche arrière, donc du coup je vais pas emballer pour ça. Quoi? Ouais, j'essaie d'aller dans l'eau, mais il prend le reflet, c'est impressionnant. Le... Donc, je vais essayer de pousser ça là-dedans. Voilà! Nickel! Cinématique et tout. Ah, tu vois, on l'a pas, nous. Putain, la vache, tout ce que ça construit. Tu vois, et nous on l'a pas. Et 36 200. Bah, tu vois, ouais, bah, ils ont de la chance. Hein. Nous on les touche plus. Bon, du coup, je vais laisser les cabanes comme ça. Pour l'instant. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à l'aide de Didier et puis de Popeye, du coup. Y'a pas de quoi. Bon, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, bye bye.